veux vraiment que je quitte ce monde sans avoir de petits-enfants? Ouais, maman, pourquoi tu dis un truc comme ça? Je le dis parce que tu ne veux pas m'en donner. Mais c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Dis-moi plutôt que cette sorcière qui est chez toi ne peut pas faire d'enfants. Les jeunes filles avec les pilules qu'elles avalent partout, sans compter les avortements. Non, non, maman. Akamba ne ressemble pas à ce genre de fille-là. Laisse-moi te dire que c'est qu'un vieillard étant assis peut voir. Un enfant même sur un toit ne peut pas voir. Je sais de quoi je parle. Je pense que la solution à ce problème, c'est qu'on te trouve une seconde épouse. Parce que moi, j'ai besoin de petits-fils. Une seconde épouse pour faire quoi encore avec maman? Hein? Bon, regarde ce qu'on va faire. D'ici la fin d'année, je te ferai un petit-fils. J'espère seulement. Parce que 5 ans de vie commune, même pas un rejeton, même pas une fausse couche, ça pousse à la confusion. Choupi. Oui. Dis-moi, tu es heureuse? Heureuse? Bien sûr. Je suis en couple avec l'homme dont je suis folle amoureuse. Donc, je suis heureuse. Moi? Non. Ok. Bah là, pourquoi? Écoute un peu. Tu écoutes quoi? Rien. Tu ne penses pas qu'il manque quelque chose dans cette maison? Bah là, s'il te plaît, arrête de tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à me dire, tu me dis et on quitte sur ça. Moi, je pense qu'il est temps qu'on fasse un enfant. D'accord. C'est là où je voulais en venir. Je t'ai dit dans cette maison, Bala, on finit avec la maison, on finit avec la boutique. Et après, je vais te donner le nombre d'enfants que tu veux. Écoute, on peut bien avoir un enfant. Hein? Un enfant n'empêche pas la construction d'une maison. Bala, je suis en train de dire, on finit avec tout ce qu'on a à faire et après, je te ferai des enfants. C'est ma mère qui avait raison. C'est elle. Dis-moi plutôt que je suis stérile. Je comprends maintenant. Parce que je sais que toi, tout seul, tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ta mère pour qu'elle puisse me détester autant. Hein? Bala, tu penses vraiment que moi, je ne peux pas te faire des enfants? Bala, tu penses que je ne peux pas te donner des enfants dans la maison-ci? D'accord. Comme ta mère a décidé ainsi, il faut que tu cherches une villageoise là-bas au village. Comme ça, elle va venir ici, en ville, te faire des enfants. Si elle veut, elle te donne même une équipe de football. Je m'en fous. Hé. Confirme-moi ton langage là. Sinon quoi? Akamba, écoute-moi très bien. Il s'agit de ma mère. C'est là qui m'a mise au monde. Donc, fais attention quand tu parles d'elle. Tu comprends? Bala, sinon quoi? Je te donne la chicotte, tu vas me frapper. Prends la ceinture. Akamba, ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout, Akamba. Bala, je t'ai dit ceci. On finit avec ce qu'on a à faire. Après, je te ferai des enfants. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si tu as compris, c'est bien. Sur ce, bonne nuit. Allô, Gisèle. Tu as vu le message que je t'ai envoyé hier soir? Je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà tout dit, mais sa mère est en train de lui mettre des idées dans la tête. Ma sœur, tout ce que tu expliques, ça, j'ai déjà expliqué. J'ai fait comprendre à Bala que présentement, nous ne pourrons pas avoir d'enfants. On va d'abord finir avec notre chantier. Ensuite, on attaque avec la boutique.
Et après ça, je vais lui faire le nombre d'enfants qu'il veut. Je veux pas avoir un enfant maintenant pour qu'il vienne avoir l'enfance qu'on a eue, toi et moi. Je suis dépassée, je sais plus où j'en suis. Bonsoir, Choupi. Allô? Ma soeur, j'ai dit bonsoir à Bala, il ne m'a même pas répondu. Passe comme ça, passe comme ça. Voilà. Madame, madame, Akamba, Akamba. Belle maman, bonsoir. Qui t'a dit que la soirée est bonne? Il arrive. Si tu as faim, tu pars dans la cuisine. Tout ce que tu trouves, tu manges. Tu as compris? Et si tu as soif, voilà la cave. Tu prends ce qui te plaît, tu bois. Hein, ma chérie? Maman, c'est l'une de mes belles-sœurs. Pour que tu fasses quoi? Pourquoi ton corps chauffe comme ça? Ha. Mon fils. Maman. Voici la femme que je t'ai amenée comme prévu. Femme? Maman, ma femme? Mes oreilles ont entendu quoi? Tes oreilles ont entendu que voici la fille qui va désormais me donner les petits-fils. Ou un jour à que? Tu comprends pas quoi? Banalo banikaso.